Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dis-nous où on est. On est à Moulay Yacoub, les stations thermales de Moulay Yacoub. J'allais te dire, c'est quoi la spécialité de Moulay Yacoub? C'est juste à côté de Fès. Oui. Et c'est ça. Là, on est en train de dénicher où on peut stationner pour dormir la nuit. Si on peut. On va essayer. Là, on a trouvé un petit coin en bas. On va voir, Baraka, elle est là-haut, en bas. Il y a une différence de couleur, mais de dingue. Ouais. Regardez là. Tout et ça. Regardez là. C'est vraiment fou ça. Mais on vous parle de tout ça après. Après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. Alors avant d'arriver là, on a quand même fait une belle route. Oui. Avec des paysages vraiment toujours splendides. Beaucoup d'oliviers. Ouais. Bah oui, c'est la région. De la verdure. Ouais. C'est-à-dire cet effet toujours verdure et on peut dire désertique. En même pour, temps. Ouais. Comment oui, désertique. Oui, on oui, peut oui. L'employer comme ça. Bah là, on va se faire à manger. Ouais, là, pour aujourd'hui, nous, on va manger et après, on va vous prendre faire un petit tour. On va aller découvrir ville ou village. Village, en espérant que demain, on y va faire un hammam dans les stations thermales. Allez, on va se renseigner. Allez, on verra. On vous retrouve dans le village. Allez. Et là, les amis, avant de vous prendre avec nous pour aller visiter le village de Moulay Yacoub, on a fait une rencontre au hasard d'amis bonnets. Ouais. Une magnifique rencontre très 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 touchante. C'est qui? C'est Marie-Claude et Didier. Et finalement, on a décidé d'aller visiter le village et en plus d'aller faire une expérience qui serait une première pour toi. Ouais. Et pour Didier. Oui. Allez, on vous prend visiter et après pour l'expérience. Après cette petite belle visite du village,
qui est un peu typique, qui est un peu différent. Oui, oui. On va faire l'expérience, mais il faut dire c'est quoi l'expérience. Ah ah, alors une première pour moi, l'expérience de monter sur un âne. Alors on va faire un randonnée à dos d'âne. À dos d'âne. Mais randonnée comme ça, vous verrez dans la vidéo. C'est pas très facile, mais je sens qu'on va bien rigoler. Allez les amis. Drif. Langage ra, c'est pour marcher. Zef. Cha, c'est pour arrêter. Pour s'arrêter, tu tiens un peu. Comment pour s'arrêter? Tout va bien derrière. Qu'est-ce qu'il me faut faire pour. Je fais rien, c'est lui qui dit. Bon, ben, c'est la première en âne. Hein. Il faut que je m'entraîne, vous savez pourquoi? Je suis accompagné de Ayoub. Zakaria. Ah, Zakaria. Ayoub. Ayoub. Zakaria. Saïd. Saïd au Kulbo. Ah. Et. Mimoun. Mimoun. Du coup, t'as pas trouvé un âne? Après, on change avec toi. Une petite impression? Ça va? Ça va. Détendu? Oui. Non, ça pleut pas. T'inquiète. Si. Ça va? Monsieur. Cool, Shenzhen. J'ai Mimoun. 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 Ah, c'est ça? Oui. Ah, mais tu les crois pas comme un cheval? Bah oui, bah vas-y, non, laisse pas. بحيث وصفر صعير ما قاش الكلمة زيت له التاني عين احمر وخطوطين قالي لحنش حوزوا من دارو حوزوا مضوا وشدوا دربوا وانا يدموا منهم جاني ايش العريح انش البلا Alors, Abdella a énervé mon âne. Pour voir si c'est moi. Ça y est, tu l'as fâché. Pour voir si c'est moi. Un âne s'est têtu, un âne s'est têtu. Ah, regarde. T'es fâché après Abdella? Mon petit Mimoun, il faut pas. Allez, agis, pour voir. Moi, je te laisse avec lui, vas-y. Viens. Allez. Tu viens? Il faut pas tirer un âne. Eh oui, mais comment tu veux le faire avancer si... Allez, agis. Ah, ça va. Tu fais pas ton... Gina. Chut. Attends. Vas-y. Un vrai cavalier. Un vrai allié. Non, hein, c'est mien ça. Vous voulez pas monter? Vous voulez pas monter? Si. Vous voulez pas, quand vous voulez.
Et quand même, les amis, avant de partir, regardez-moi cette vue splendide sur le village de Moulay-Racoub. Et avec nos camping-cars qui sont là-bas. Allez, ils sont partis. Il faut que je les rattrape. C'est dur la descente. Alors, ça c'est Ricky. Ça c'est le tien. Ça Mimoun. Oh, c'est haut pour moi. Ouais, ouais, on descend là. Et Milouli. Je vais faire la descente risquée à la marocaine. Parce que là, s'il me chope avec ses pieds, oh, je suis mort. Ça vous a fait du bien? Ah oui. Choukran bezef bezef. C'est passé nickel chrome. Ouais. Ciao. On vous aime. Tu vas où avec ton sac? Je vais au bain. Mais oui. Des bains spéciaux. Ouais, on est. On va aller essayer les bains thermales là de Moulay-Racoub. Moi aussi j'ai mon sac. C'est un village, on va dire plutôt. Ouais. Où, connu par ses sources thermales. Oui, connu et pas connu en même temps. Connu, bah, connu pour le Maroc. Du tourisme national, mais ouais, pas connu du tourisme international. Et là, on va aller se baigner. On Allez. Va tester. On vous retrouve là-bas. Déjà, une chose, les bains sont séparés, sont pas mixtes. Et autre chose, les gens n'apprécient pas qu'on filme ça, quand ils sont pas torse nu, mais quand ils sont en train de se baigner. Je vais, désolé, pour ce qu'on a pu voir, on a toujours vu des vidéos côté homme, pas du... Non, les femmes jamais, même les hommes. Je vais voir si je peux filmer, je garde la caméra avec moi. Si je peux pas, on vous racontera après l'histoire. L'expérience, c'est ça. Et ça serait une première pour moi et pour Valérie. Je ne sais même pas la procédure, là, où il faut rentrer, qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, il faut vous expliquer, parce qu'il y a deux sortes de thermes. Il y a le terme qui est populaire, on va dire, qui est comme le hammam. C'est là où on y va. C'est là où on va. Et il y a le truc de luxe, côté, là, vous l'hôtel. Vous avez un hôtel de luxe, avec les thermes aussi, pour faire... Bah, les massages, les spas. Le hammam, c'est en bas. C'est le bleu, là-bas. En plus, on n'a pas de montre, on ne sait pas comment on va se baser. Vas-y, vas-y, par là. On sait pas... Ah, tu peux attendre là. Tu prends un jus là, tu m'attends. Si tu sors avant moi, si je sors avant, je fais pareil. Après, on vous expliquera après tout ce qu'on a payé et tout. Là, on descend. Et les possibilités. Ouais, il y a des jacuzzi, des bains et tout. Il y a des baignoires particulières et la piscine commune. Alors, toi, c'est par là. Vas-y. Alors, moi, c'est par là. On se retrouve au jus d'orange. Je vais m'investir pour changer. Alors, où je peux poser la caméra? Là.
Moi, je reprends le souffle déjà. Il faut raconter. Parce que toi, tu as sorti avant moi. Oui. C'est toi le premier qui va raconter. Ah, alors. On va commencer, on va dire, par le positif. Parce qu'on est toujours positif. Alors, c'est ça. On peut dire que je suis d'habitude une extraterrestre, mais là, encore plus. T'as parce droit que à quoi j'ai eu droit à tous les regards qui se sont portés vers moi quand je suis rentrée. Parce que je pense que des Européens bon, qui viennent dans ici. Cette partie-là, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la caméra et on vous parle. Très bien. C'est bon. Continue. Donc, ben, j'ai eu droit au salut. Il y a des jeunes filles qui sont venues me demander le prénom. Puis une fois que j'étais dans l'eau, il y a une dame qui est venue et qui a commencé à taper sur le petit broc là et à faire you. Bon. Je vais vous montrer c'est quoi le you, le son, parce que j'ai pas de vidéo. C'était très gentil, pas de voilà un bon accueil. Alors bon, moi entre guillemets, j'étais en maillot de bain parce que je ne savais pas et de toute façon c'est comme ça que on ne savait pas en quand fait. Mais quand c'est décidé nous qu'on vient pour la piscine chaude. Voilà. On vient pas pour le gommage. Voilà. Bon après. L'eau, elle est effectivement très très chaude et très très soufrée quoi. C'est une eau vraiment spéciale. Ah, tu sens le gras sur ta peau quand tu rentres dans l'eau. Ouais. Aïe aïe aïe. Alors après, je vais dire, on va pour les personnes qui sont pudiques. Pudique, ça veut dire? Pudique, c'est-à-dire ou qui n'osent pas se déshabiller ou voir les autres. Parce que là, on peut dire que c'est une salle de bain commune. Oui. Là, les femmes sont en culotte ou toutes nues. Et donc... Et donc... On arrête la vidéo. On a coupé parce qu'il y avait des gens qui devraient passer. On voilà, reprend. Et qui ne voulaient pas se faire filmer. Donc je disais que les femmes sont nues, que c'est comme une salle de bain commune. Ah, elles ont leur culotte, je pense. Oui, bah, non, il y en a nues et il y en a en culotte. Non, moi, chez nous, c'est en fait, ce que je ne savais pas, c'est que est-ce que la piscine serait isolée et qu'à côté, il y aurait des pièces comme le hammam? Pas du tout. Les femmes sont au bord de la piscine, se gomment et se lavent et vont se rincer dans l'eau. Pour vous donner une image, c'est un peu comme à l'ancienne dans le monde que les femmes, ils vont à côté de la source, ils se lavent, ils font la vaisselle, ils se douchent alors, là-bas. Et c'est ça, j'allais dire. Pour les personnes sensibles à penser aux microbes et c'est pas à pour tout vous. Ça, c'est pas pour vous, parce que autant le hammam, on peut se mettre dans un coin isolé et puis faire ses petites affaires, comme on dit. Mais, là, elles sont mais la chaleur et... tue les microbes. Ah non, au contraire, elle en développe. Si tu veux. Surtout, l'humidité, elle développe certains microbes. Bah, c'est des cultures. Nous, c'est ça. Pour nous, ça tue les microbes, la chaleur. Bon. C'est ça. Donc, les personnes qui sont sensibles de ce côté-là à se dire berk-berk, pour ceux qui pourraient se dire ça, c'est pas pour vous. Mais les gens qui veulent vraiment vivre l'expérience typique, vivre des choses que pas tout le monde arrive à vivre, il faut venir, il faut le tester. Oui, c'est ça, moi... Mais pour les gens aussi qui sont serrés un peu dans la tête, tu peux avoir une salle de bain privée parce qu'il y a les jacuzzis privés. Et il y a les salles de bain, les hammams privés. Tu as une chambre à toi. Alors, on a payé 25 dirhams par chacun, personne. Par personne, pour accéder donc à cette fameuse piscine commune. Et le gommage. Non, c'est en plus le gommage et le... Non, on a payé 25 dans la totale. Le gommage, tu rentres, tu peux te faire gommer tranquille, quoi. Ah, il ne faut pas rajouter 50 dirhams? Non, ça c'est pour une salle privée, d'accord. Le gommage. Et après, il y a 60 dirhams et un jacuzzi privé. C'est-à-dire une baignoire, hein, où avec vous aurez souffrée, votre eau soufrée, tout seul, voilà. Ouais. En fait, on paye 20 dirhams, mais 5 dirhams, c'est pour la personne qui te garde, c'est pour le vestiaire, la personne qui te garde les habits et tout. Alors moi, évidemment, en sortant de là, je pensais faire une douche pour me rincer. Non, il n'y a pas de douche. Et bien sûr, il n'y a pas de douche, puisque vous êtes censé vous être lavé. Non, et vous êtes censé, parce qu'en fait, c'est aussi, c'est pour soigner tout ce qui est problème de peau et tout. Tu es censé garder un peu l'eau soufrée sur la peau. Ouais. Parce que, il faut l'avouer, moi aussi, j'avais un problème de peau. J'avais, comment on appelle ça, des champignons blancs, ouais, mais juste des petites taches blanches.
et je me noir ou blanche selon la saison. Et j'avais mis le soufre, normalement, un produit pharmaceutique, mais avant je mettais le soufre. Ouais. Et c'est bien, quand tu viens, c'est pour le problème de peau. C'est un problème de peau, souvent il s'enlève après. Voilà, sauf que moi je penserais plutôt à la douche après pour enlever les microbes s'il y en a. Alors, voilà, bon, on va la douche, la faire chez nous. Alors pour moi, bah, j'ai rentré, moi aussi c'est la première fois. J'ai entré, il y a les vestiaires, on change. C'est ça. Donc, déjà, je ne savais pas, est-ce que je prends ma serviette avec moi, oui, je la laisse, je demandais. Et elle me voyait avec la caméra. Non. Ta caméra, tu la ranges dans ton sac, on ne peut pas filmer dedans. C'est quelque chose qu'on comprend. Alors, on passe à la première salle, c'est la salle de gommage. C'est une salle où tu peux gommer. La deuxième salle, c'est là où il y a la piscine soufrée. Je vais essayer de mettre les photos, mais la piscine, c'est comme une fontaine au milieu. Oui, il y a une fontaine au milieu où on peut aller se faire... Mais la fontaine, pas aller se faire, parce que la fontaine, c'est super, super chaud. C'est, on va chercher combien de degrés. Chaud, hein. Je me suis mis deux fois, mais je n'ai pas pu rester plus que 5-3 minutes, quoi. Ça brûle la peau. Ouais. Moi, je m'y suis mis, mais avec un peu, juste ouais. Pour sous l'eau. C'est exactement ça. Mais... Alors. Il y a aussi des hommes qui peuvent vous faire le gommage, je ne sais pas chez les femmes. Oui, là. Tu peux payer quelqu'un qui te fait gommer. C'est ce que je te dis, tu peux payer quelqu'un. Non, pour te qui faire te fait le gommage, mais si tu fais le gommage toi-même. Ah non, c'est gratuit. Non, si tu fais toi-même, mais généralement, on ne sait pas se le faire. Enfin, nous, Européens, on ne sait pas se le faire. Il faut quelqu'un. Ouais. Je ne sais pas, tu dois donner combien 30, 20, 30, ça va jusqu'au 50 selon ce que tu veux. Parce que quoi. Nous, il y en avait, elles gommaient et elles massaient. Oui, c'est ça. Alors après, moi j'ai lu en sortant que les petits garçons de plus de 5 ans doivent passer du côté homme, oui. Et les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent pas venir seuls ici, ils ne peuvent venir que s'ils sont accompagnés d'un adulte. Oui, et il ne faut pas dépasser 30 minutes dedans parce que l'eau est tellement soufrée, la vapeur, l'humidité, le soufre, il ne faut pas passer beaucoup. Il ne faut pas faire le mec quoi, tu rentres, tu profites et tu sors. La vidéo serait interrompue là, malheureusement. Oui. C'était pas prévu, c'était prévu de continuer la visite. C'était prévu de continuer la visite dans le village. Parce qu'on vient d'avoir un choc. En rentrant du hammam, on a découvert quelque chose qui nous a choqué. Alors on va bien. On va très bien. Ne vous inquiétez pas. Mais on vous dira tout dans la prochaine vidéo. Alors prenez bien soin de vous. On vous aime. On vous aime. On vous kiffe. Et à la prochaine vidéo, les amis. À la prochaine. صغاريخ لو سكني ولهان ولهان يا هلي شي عطف جيراني جيراني لغدر عب الجيران